sommes avec Vikash Dorazo. Vikash, un mot sur ce spectacle. Magnifique, hein, sport. Ouais, c'était impressionnant, le niveau, la mise en scène, et le plaisir qu'on a pris, nous, à aller regarder. Ils étaient en compétition dans les jours précédents, donc voilà, ça devait être dur pour eux, et on a passé un super moment. Quel spectacle t'as le plus... Moi, j'ai l'impression que les deux Russes qui planaient vont gagner. Après, j'ai beaucoup aimé les trois au départ avec le parapluie. J'ai aussi beaucoup aimé le mec seul qui démarre avec la tête couverte en l'air. Là, voilà. Mes trois et... Voilà, ouais. Et la jeune. La petite jeune, elle était sympa, mais on voyait aussi qu'elle était jeune. Mais c'est aussi normal, quoi. Je veux dire... On sent qu'il y a plus d'expérience. Voilà. Dernière question, Vikash, as-tu des souvenirs en tant que gamin au cirque? Ouais, évidemment, je suis allé au cirque avec mes parents. Le cirque a beaucoup changé. Il y avait des animaux, il n'y a plus des animaux, et tant mieux. Moi, je suis impressionné. J'adore beaucoup la danse, j'adore beaucoup le cirque, j'adore le sport, évidemment, le foot. Et parce que la performance me suffit à elle-même pour m'impressionner et pour me faire passer un grand moment. Et voilà, aujourd'hui, c'était incroyable. C'est particulier. Parce qu'ils étaient en test, hein. Je veux dire, ils jouent leur avenir, c'est chouette, ça passe par là aussi parfois. L'actualité pour Vikash, la chaîne L'Équipe? Ouais, L'Équipe, Yahoo, là je vais à Yahoo tout à l'heure faire le match l'OL-PSG, Winamax, je parle de foot où je peux, après il y a Tatane et il y a d'autres choses, voilà. En tout cas, Vikash Dorazo, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.